Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, la Charente est-elle une terre fertile pour les méthaniseurs ? La méthanisation s'est imposée comme une source d'énergie renouvelable, au même titre que l'éolien ou le solaire. Son principe ? Transformer du fumier en gaz ou en électricité. La technique, qui consiste à faire digérer et fermenter des biodéchets dans une machine pour en retirer le gaz et la chaleur, est bien maîtrisée. Le potentiel énorme. Mais en Charente, le modèle peine à se développer. Un simple coup d'œil à la carte permet de s'en rendre compte. Notre département rural ne compte que deux unités de méthanisation en service. Méta Confolanté, géré par 10 agriculteurs à Confolant, et Revico, qui valorise les résidus vitivinicoles à Saint-Laurent-de-Cognac. En comparaison, la Vienne et la Dordogne, de leur côté, en ont 9 chacune, la Haute-Vienne 13 et la Gironde 26. Pourtant, le gisement charentais est énorme. Une estimation de l'Open Data Réseau Énergie, un observatoire du secteur gazier, chiffre à 2151 gigawatt-heure le potentiel de production de méthane du département d'ici 2050. Aujourd'hui, les sites charentais disposent d'une capacité de production de seulement 44,7 gigawatt-heure par an, à peine 0,3% de la consommation annuelle de gaz du département. Alors pourquoi cette ressource est-elle sous-exploitée ? D'abord, il s'agit de projets complexes et coûteux. L'unité de Confolant a nécessité un investissement de 3 millions d'euros, impossible à porter pour une seule exploitation agricole. Les investisseurs s'y sont mis à 10, et encore, leur dossier a mis 7 ans à éclore, de quoi refroidir même les plus motivés. D'ailleurs, on ne compte plus les projets abandonnés en cours de route. Chaque dossier fait face à une ferme opposition des riverains craignant mauvaises odeurs, balais des camions et dévaluation immobilière. Au niveau régional, deux gisements se détachent. La Haute-Vienne et la Corrèze, terres d'élevage, concentrent une bonne part des méthaniseurs agricoles. La Gironde réunit la majorité des unités alimentées par l'industrie vinicole et les distilleries, ainsi que les stations d'épuration de l'agglomération bordelaise. En clair, la Charente n'est pas assez rurale, pas assez industrielle et avec une population trop petite pour pouvoir mettre un vrai coup d'accélérateur.